Minute papillon. Ah, bonjour à tous, je suis en train de subtiliser une petite caméra d'ascenseur pour faire cette vidéo. Donc voilà, bon bah je vais essayer de répondre à vos questions et puis bah vous montrer quelques tranches de vie, on va dire, pour commencer ma vraie voix. Désolé. Je vis dans un 3 pièces dans le Beaujolais. Bon, le salon, vous le connaissez bien, hein, c'est là où j'ai tourné la plupart des épisodes. Pièce d'un fort beau gabarit, c'est un petit peu la pièce à vivre, pièce de jouissance, pièce de tous les jours. C'est un salon, salle à manger, cuisine, bureau, hein, c'est un peu une pièce à tout faire. Ensuite, on va se diriger vers les autres pièces. Alors pour les autres pièces, il faut sortir de cette pièce principale, logique, parce que si tu restes dans la même pièce, tu vas pas dans d'autres pièces, mais vous m'embrouillez là. On arrive dans un petit couloir. Oh là là, très petit couloir, très jolie perte de place. Et hop, sur la droite, on a une première chambre où j'ai tourné l'épisode 20 Devenir Papa. Car oui, je suis papa depuis 11 mois. On a aussi des toilettes où j'ai tourné le bonus 4 avec la magnifique voix d'Afida Turner, vous vous en rappelez sûrement. Il y a aussi une salle de bain où j'ai encore rien tourné dedans, hein, avec un spa où les petits poissons étaient en option, un jacuzzi, une table de massage où la chinoise elle était offerte, c'était pas une option. Et un accrobranche. Pour finir, notre chambre avec ma concubine. C'est là où j'ai tourné le hippie, les 7 péchés capitaux, où j'ai toujours pas réparé le lit. J'ai aussi tourné la plupart des impros dedans, et c'est là aussi où je vais vous montrer le matériel. Donc j'utilise une caméra Sony Z1. J'ai juste rajouté un bon micro, Rode, parce que c'est moins cher que Sennheiser. Et du Manfrotto en pied. Donc voilà. C'est plutôt du bon matos, mais ça fait 6 ans que je l'ai, donc je l'ai largement amorti. Ensuite, j'utilise des lumières donc, qui coûtent 12 ou 25 euros, 25 euros avec le pied. Généralement, j'en mets deux et je les pointe au ciel pour pas avoir d'ombre en fait. Voilà, parce que là, je suis en train de tourner la fin de l'épisode 37 quand je suis en petit sur YouTube. Ça, c'est du fond noir d'un côté, fond blanc de l'autre. Ça coûte que dalle sur eBay. Voilà, après le grand angle que j'utilise assez souvent. Voilà, donc en fait c'est un fisheye, comme vous pouvez le voir, ça fait un œil de poisson. Très joli, très saillant. Et bien évidemment, un des accessoires les plus importants, la télécommande. Pour pouvoir éteindre, allumer sans bouger la caméra et pas la faire bouger. Ce qui est très important dans le monde du jump cut. Voilà, parce que sinon ça fait... Voilà. Vous présentez mon équipe, comment ça, concernant non, bah là, voilà, salut, salut, ouais, salut, salut. Non, bah en fait, je suis tout seul, hein. Donc c'est moi qui écris les textes, évidemment, c'est moi qui joue, bah ça, je crois que vous en doutiez presque tous, à part toi. C'est aussi moi qui pose la caméra, qui règle la caméra, après elle bouge pas, c'est moi qui appuie sur enregistrer. C'est moi qui fais tout au tournage. À part de temps en temps, il y a Ben, un pote qui m'aide à percher, c'est-à-dire qui m'aide à rendre le son un petit peu meilleur. Parce que comme vous avez pu le voir, c'est un petit peu là où ça pêche. Ensuite, le montage, une des parties les plus importantes. Celui qui s'occupe du montage, bah, c'est moi. J'utilise un Mac Pro, pas mal performant, avec 3 ou 4 Tera de place et 16 Go de mémoire vive. Comme logiciel, j'utilise Final Cut Pro, donc un logiciel juste pour Mac, et After Effects pour les gros effets spéciaux. 1, 2, 3, t'attends. Pour ceux qui se sont demandé si je m'étais coupé la langue pour faire Orochimaru, bah non. Hein. Et j'ai pas non plus de tatouage, ni de piercing, à part j'ai juste ça. Mais ça, je me suis réveillé un matin sur une plage avec, au Cap d'Agde, et j'ai aucun souvenir de comment c'est arrivé là. À la question est-ce qu'on me reconnaît dans la rue, bah je dirais non, jamais, parce que je suis assez caméléon comme style. Par contre souvent on me fait Ouais, bah je peux rien y faire. Hein. Comment je fais pour avoir tous ces costumes? Bah je les achète, comme tout le monde en fait. Oui, je les commande sur internet. Sauf que moi en fait ça fait 10 ans que j'en achète, donc je commence à en avoir un paquet. Et j'adore ça. J'aime bien me déguiser. Donc en fait, oui, je commence à en avoir un paquet, c'est même le problème, j'ai du mal à les stocker. Donc là, chez moi, j'en ai un tout petit peu dans la chambre de ma fille, j'ai un mi-placard. Vous voyez, des perruques, des chapeaux, des faux-seins. En exclu mondial, la jaquette, la vraie jaquette, hein, commandée sur internet, il l'a portée, Michael Jackson, donc j'utiliserai peut-être un faux-ventre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Encore des chapeaux,
Le boucrou, très important. Les lunettes, plein de paires de lunettes, vous voyez. Du tabac, parce que c'est un accessoire. Je ne fume pas cette merde. Surtout celui-là, qui est très très hippie, mais qui ne doit pas être terrible. Et qui doit être sec depuis le temps. C'est pour ça que j'ai du mal à rouler, en fait. Fausse crotte, coussin péteur. Oh là là, qu'est-ce que c'est marrant. Maquillage, de la dentelle. C'est pas de la dentelle. Des perruques à foison. Oh, la perruque Patrick. Elle, je l'ai achetée juste parce que c'est perruque Patrick. Parce qu'elle est très très moche. Et en fait, je l'ai utilisée pour faire la féministe. Parce que je pense que les féministes ont des coiffures à peu près moches comme ça. Je taille pas mal les féministes. Alors pourquoi? Parce qu'elles se sont plaintes en fait, c'est tout. Je taille un peu tout le monde et les féministes ont pas arrêté de se plaindre. Donc en fait, moi, j'aime bien. Plus vous vous plaignez, plus j'en rajoute. Donc pour les féministes, la perruque officielle, c'est la perruque de Patrick. Voilà, le mulet, David Guetta. Mais évidemment, c'est pas tout là. À la fin de mes vidéos, il y a écrit accessoiriste la frange. Et en fait, c'est parce que j'entrepose tous mes déguisements, pratiquement, à part ceux qui sont chez moi, chez elle, chez la frange. Donc la frange, c'est qui? C'est l'héroïne des ménagères, c'est un super-héros. Et en fait, plus communément, c'est ma mère. Et comme elle a plus de place que moi, elle entrepose un petit peu tout, et des fois, elle prépare, je lui envoie une commande, il me faudrait ça, et elle prépare. Ce qui me fait gagner un petit peu de temps. Donc, il y a d'autres déguisements de super-héros, comme vous pouvez le voir. Pas mal de déguisements... Le sumo, l'indien, il y en a que je reconnais même pas. Ah, babouche! Là, il manque l'ours et l'abeille qui sont pas là parce que ça tient même pas. J'aime pas les gourdins. Le bébé, tous les petits accessoires. Le célèbre gâteau de riz avec son fusil dans les accessoires. Là, on a que des chapeaux. Là aussi, ça, c'est que des chapeaux. Là, que des tissus. Là, tout ça, c'est des perruques, vous voyez? Ça descend jusqu'en bas. Là, on a tous les déguisements de couleurs très moches. Ça, va falloir que je l'utilise, ce truc. Il est magnifique. Parlons peu, parlons bien, parlons argent. Je dépense jusqu'à 100 € de déguisement et de matériel pour un épisode. Donc, ça me coûte assez cher. Jusqu'à l'épisode 25, je rentrais pas du tout dans mes frais. Donc, 25 fois 100, je vous laisse calculer. Oh putain, mais je me suis fait éclater. Enfin bon, pour répondre à une autre question, jusqu'à juin, je travaillais, j'étais webmaster. Donc je faisais des sites internet et je faisais aussi de la vidéo à côté pour une entreprise. J'ai démissionné en juin. Donc depuis septembre, on peut dire que je travaille plus que pour moi. Et je suis un patron, mais sympa, mais c'est... Mais de toute façon, je bouffe avec moi pratiquement tous les midis. Donc c'est que j'aime ça, quoi. Et Minute Papillon, dans cette proportion, fait à peu près la moitié de mon boulot. Donc ce que je gagne grâce aux pubs sur YouTube par exemple, vous savez qu'il y a de la pub, que ça rémunère un tout petit peu. Donc je gagne pas assez pour en vivre. Les t-shirts rapportent un peu, mais ils sont pas stockés là, je les ai pas, j'ai pas une pièce pleine de t-shirts. Je les fais grâce à Spreadshirt, qui est un site génial en fait, qui s'occupe de tout. Moi j'ai juste eu à envoyer des visuels et j'ai une commission qui doit s'élever à peu près à 3 € par t-shirt, toute taxe déduite. Mais je n'ai pas à faire de la manutention, à faire des paquets et tout, sinon j'aurais plus le temps de faire des vidéos, ce serait un peu pourri. Donc ça rapporte un peu, mais c'est pareil, ça me permet pas non plus de gagner ma vie en y rajoutant aux pubs. Donc je suis obligé de faire d'autres choses à côté. Cette fin d'année 2012 et la fin du monde va voir se terminer la saison 2 de Minute Papillon. Mais en 2013, oui, il y aura une saison 3. J'ai encore beaucoup d'idées de thèmes, donc largement de quoi faire encore au moins une saison. Donc même si j'ai pas encore tourné les derniers pour cette année, mais ça ne saurait venir. Ensuite, à côté de ça, je vais faire une autre mini-série, aussi pour 2013, sûrement un épisode par mois. Un mélange de podcast et de mini-série, enfin vous verrez ça, vous verrez en temps voulu. Et avec les potes du Beaujolais, on va arrêter à Baie-Chapeau au profit d'une autre mini-série, vous verrez ça aussi. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder si vous aimez pas tout. Vous pouvez regarder que Minute Papillon ou tout regarder. Ça, c'est vous qui voyez. Sinon, je voulais quand même vous présenter ma voiture. Mégane Touch 98. Un plein 1000 km. Moi, je crois que c'est ce qu'il faut demander aux bagnoles. Hein. Franchement, si un jour je suis millionnaire, hein, on sait jamais, je roulerai dans des bagnoles comme ça. Qu'est-ce que j'irais me faire chier avec une grosse voiture? Je fais pipi dans les toilettes publiques.
Faire des rencontres abonnés, ah non, c'est pas mon genre. Bon, en fait, si, j'en fais déjà, hein. J'en ai déjà fait sur Lyon et Paris. Et c'est vrai que pour être au courant, faut soit être fan sur la page Facebook de Minute Papillon, soit me suivre sur Twitter. Donc j'ai mis les liens dans la description. Pourquoi Paris et Lyon pour l'instant? Parce que Lyon, j'habite à côté, donc j'y vais de temps en temps. Et Paris, j'y vais aussi, voilà. Mais dès que j'irai dans d'autres grandes villes, je mettrai un petit message sur les réseaux sociaux et vous pourrez venir si vous voulez. Généralement, c'est au bar, autour d'une bière, c'est super bon enfant, c'est assez cool. J'ai à chaque fois passé un bon moment. J'espère que c'est pareil pour tous, hein, à part le petit là que j'ai tapé là, mais il a essayé de boire dans ma bière. Et c'est une blague, hein, j'ai jamais frappé de gamin. Après, est-ce que je vais faire des événements ou des conventions? On me posait beaucoup la question, on me demandait d'en faire, je comprenais pas trop ce que j'allais y faire. Mais finalement, oui, je vais en faire une. Donc, je vais faire la Japan Touch à Lyon le 10 et le 11 novembre. En gros, j'aurai une table et je vais signer des autographes et discuter avec les gens qui viendront. Ce sera la première. Après, à voir si j'en fais peut-être d'autres, je sais pas. On verra comment ça se passe là déjà. Si vous y allez, il risque d'avoir un gros attroupement. Et ben je serai à côté. Le gros attroupement, c'est le joueur du grenier. Normalement, je serai à côté. J'ai rien prévu pour l'instant. Il y aura juste une table et un moi et un stylo. Si je n'oublie pas d'amener mon stylo. Je voulais vous faire partager un petit truc sympa qui est, je crois, unique au monde. C'est dans ma voiture. Dès que je mets le contact et quand je roule n'importe quand, il y a ce petit bruit super sympa. Ah, ça envoie grave, ça sert à rien, c'est sympa. La réparation 300€, donc je me suis abstenu quoi. J'ai trouvé une solution pour y pallier, je mets la musique à fond quoi. C'est fini pour cette première vidéo où je réponds aux questions, j'en referai d'autres. J'essaierai de répondre à plus de petites questions plus vite et tout, là c'était un petit peu n'importe quoi. Et puis pour finir en beauté, je vais vous mettre le plus petit bêtisier d'Europe. Deux plans que j'ai pas utilisés sur l'épisode avec les serpents. Allez, action. Allez, vas-y, tape mon 5. Tu vas te prendre mon poing dans la figure. Enfin, et pour me mettre par terre, je m'arrête avec les mains. Aïe. Putain, comment ils font pour se lever les cobras?